Chers amis de RDC dans le monde, bonsoir, ici Capi Munida, votre reporter favori. Nous sommes dans un événement assez spécial que nous allons vous présenter, mais avant tout, en avant-première, nous allons vous laisser découvrir celui qui vient déjà de nous impressionner, Monsieur Musique de cet événement. Tu vas pouvoir me donner quelques détails sur sa compagnie et puis de quoi il en est. Monsieur? Oui. Votre nom? DJ M Square. C'est DJ M Square, chers amis. Il va vous laisser entendre quelques petits bouts. Il est fort. Let's just sing. Good. Quelque chose de live. Quelque chose de plus rapide. Wow, la technologie de nos jours, plus le doigté d'un grand artiste, voilà ce que ça produit. Que je fais, mais je suis DJ depuis 40 ans, puis c'est ça, j'essaie d'avancer un peu plus dans ce que je fais, améliorer mes talents, pratiquer, puis c'est à peu près ça. Donc. Pour tout contact concernant cet artiste en puissance, veuillez appeler RDC dans le monde et nous allons créer le lien avec. Vous allez voir, il est très très bon, il est excellent. Un petit message à nos internautes, vous êtes en direct? Quoi dire? Vous pouvez nous rejoindre, c'est plutôt sur Facebook, www.facebook.com/DJMSquare. Il y a de quoi, appelez-moi, n'importe quoi. C'était DJ M Square en direct de RDC dans le monde. Merci beaucoup. Chers membres de RDC dans le monde, nous allons laisser madame se présenter. Bonsoir, je suis Isabelle Leblanc, je suis directrice ici à Boscoville 2000 au niveau du secteur de mobilisation des communautés et participation citoyenne des jeunes. Wow! On va laisser expliquer ce qu'ils font. Alors, Boscoville développe différentes pratiques en réadaptation pour les jeunes qui sont en difficulté. Mmh. En même temps, ils développent différents types de programmes pour être en mesure d'intervenir en prévention auprès de la jeunesse, mais d'une manière à leur donner plein de pouvoirs, plein de possibilités d'explorer pour se découvrir des compétences, des intérêts, mmh, et pour être en mesure de mieux s'engager, en fait, comme citoyens dans leur communauté. Pas de commentaires, chers amis. Elle a expliqué avec force détail de quoi il en est. Mais quand vous parlez de jeunesse, à qui ça s'adresse en particulier? Est-ce que les jeunes comme moi ou les trop, trop jeunes? Alors, en tant que femme polie, je ne vous demanderai pas votre âge, mais je dirais spontanément que Boscoville couvre une clientèle de 0 à 30 ans. Alors, oh, à vous de déterminer où vous vous situez par rapport à la jeunesse. C'était Boscoville en direct de RDC dans le monde. Je vous remercie. Nous allons continuer notre reportage. Merci. C'est dans le monde. Voici donc celle grâce à qui tout cet événement arrive, c'est Madame Fabiola. Nous allons aller tantôt l'interviewer pour qu'elle puisse dire de quoi il en est, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, qui visent-ils en particulier. Puis à côté d'elle, vous avez le président de RDC dans le monde, Monsieur Douglas Dibula. Donc, eh oui, c'est le président. Chers internautes, vous comprenez, c'est ça les joies du direct. Donc, nous sommes en direct avec Madame Fabiola. Quelque chose à déclarer? Oui. Stressée, fatiguée, mais tout va super bien se passer. Et c'est ça. Oui. On est à heure H moins combien? On n'est pas heure, on est minute là. Non, heure. Il reste une heure et demie avant que le setup commence. Les artistes arrivent. DJ M Square est déjà placé. Mm-hmm. Et puis, c'est ça. On se répare, puis on se voit dans une heure et demie avant de monter sur la scène, je vais venir vous voir. C'est bon? Merci, cher membre de RDC dans le monde. Donc, comme elle a dit, nous allons la revoir d'ici une heure à peu près.
nous allons chercher d'autres personnes qui sont en entracte, peut-être d'autres groupes qui doivent jouer. De RDC dans le monde, nous continuons donc notre petite tournée de présentation de différentes personnes qui vont prester durant cette soirée. Nous allons en recevoir un maintenant qui va se présenter puis nous dire qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Yes, my name is Clumsy Robert from SMS Boys. We are here to perform with Fly High Entertainment. We're presenting our new single also, Fill Your Cups. You can check out the website www.smsboys.com. And this is from the album that we just recently released, November 11th, 11-11-11, same title. So you can catch it on iTunes, Amazon. If you go to the website, you'll see all the different links and all the infos pertaining to that. So look it up, some straight fire. Fill your cups. That's it. Except English. Do you speak another language, like French or... Well, on est à Montréal ici, donc on n'a pas vraiment le choix, anglais, français. You know, bilingue, puis c'est ça. Je parle naturellement français, je parle anglais aussi. Donc c'est vraiment multiculturel ici et c'est vraiment ça qui est intéressant. Et toute la diversité, vraiment, c'est ce qui est intéressant ici. Combien de morceaux vous avez dans votre album? Il y a 10 morceaux, puis c'est des morceaux qu'on a vraiment travaillé. Tu sais, la plupart des artistes, souvent, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils vont avoir des chansons par-ci, par-là et ils vont mettre quelque chose dedans. Mais nous, on a vraiment pris le temps de travailler chaque chanson puis donner le meilleur qu'on a. So, I strongly suggest you guys to go and check it out. Again, it's www.smsboyswithaz.com. Check it out, you know, there's all the stuff in there. And 11-11-11, again, available online, iTunes, check it out. Yes. Thank you so much. Et participation citoyenne des jeunes. Donc nous aussi, on travaille avec des jeunes de la communauté. Alors, pour introduire vraiment qu'est-ce qui se passe ici à Boscoville 2000, je vais vous laisser la parole au directeur général de Boscoville 2000, qui est M. Claude Lévesque. Bien, bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir de vous recevoir ici ce soir. Juste pour mettre en contexte, Boscoville 2000, c'est une organisation qui est dédiée au développement positif des jeunes. Ici à Rivière-des-Prairies, mais à travers le Québec au complet, je vous dirais, s'il y a des jeunes qui sont venus sur le site ici, vous avez pu voir qu'il y avait des jeunes Inuits qui ont été hébergés depuis un an et demi ici. Les jeunes qui éprouvent des difficultés chez eux, on leur donne un coup de main, ils sont ici. Ils ont partagé des temps avec certains d'entre vous à la cafétéria. C'est des initiatives qui, au Québec, qui à Rivière-des-Prairies, oui dans l'est de la ville, oui à Montréal, il y a des choses qui se passent aussi au niveau de la province. Puis ce soir, c'est une belle réalisation. Des jeunes qui ont travaillé au café Le Spot, parce que après un an de travail, un an de comité, un an d'organisation, ces jeunes-là, ce soir, ont réalisé leur rêve, et je vais les nommer Vladimir Dujour, William Paul, Willidinette Paul, je vous invite à les applaudir, parce que c'est fameux le travail qu'on fait ce soir, avec tous les invités qui sont là, c'est fabuleux. Puis, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux autres cet après-midi, je peux vous dire que c'est des jeunes qui sont courageux et vraiment une preuve d'engagement par rapport à tous les jeunes qui vont participer ce soir et de concrétiser le projet que vous allez témoigner ce soir. Je voudrais aussi souligner que cet été, il y a eu une initiative qui a été le précurseur de la soirée de ce soir. Les artistes qui avaient participé cet été, je vais en nommer quelques-uns, Young Crow, Black Bazaar, Master Line Junior, Bad and Bass, Axe, Térix et Mickey.
CG DJM Square. Et je voudrais souligner la participation avec les jeunes du comité de sport, la part très importante de Chris et Miss Fabi du Fabulous qui est la présidente de Fly High Entertainment. Et la discussion que j'ai eue avec elle cet après-midi, elle est au même endroit que les jeunes du Café Le Sport, parce que c'est une femme qui est engagée et qui croit au potentiel des jeunes. Je vous invite à l'applaudir aussi. La soirée pourra vous guider tout le long du show. On a travaillé pendant plusieurs années avec Fabi et Chris. Ils sont là pour vous démontrer leur talent. Alors, je veux que vous applaudissiez, s'il vous plaît, pour les artistes qu'on a présentement. On applaudit plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Combien ils amènent? Dernière question, ok. Depuis quand tu fais affaire avec Fly Entertainment, ou comment as-tu rencontré Fabi ou Chris? Hey, là, je pense que depuis comme une décennie, non. Mais je pense que ça fait le temps, c'est 6 ans. Aussitôt que j'ai commencé à être sérieuse, on peut dire forcément Fabi, je trouve que ça fait. Je l'ai connu après Swag. Swag, my boy. Swag, ça fait longtemps qu'on se connaît, environ 8 ans. 4 ans? Non, moi je pense que c'est ça. 4 ans. J'avais 21 ans. Ok, ça fait 6 ans. Caché est un talent gâché, comme le mien. Quoi. C'est pour ça qu'il faut que je me fasse connaître maintenant. Je suis resté suffisamment longtemps dans l'ombre. C'est le jour de l'avènement. Hein. C'est son temps. Ouais. Vous voulez plus de renseignements? 1-855-742-6963. On vous mettra en contact avec Drastic. Ok, j'aimerais vous remercier pour un peu le I can't get no fever. Yes.
Alors, Black Neige, la bête. D'où est-ce que ça sort ce nom? Ben, on a fait un spectacle et c'était la belle et la belle. Mm-hmm. Comme je suis black. Black Neige. C'est correct, je ne vous juge pas encore. Mais je ne suis pas moi que je vais.
Alors, la prochaine à monter sur la scène, c'est une grande dame. Sa biographie est tellement longue que ça a l'air d'être comme si c'était la Bible. On va accueillir Empire Isis. S'il vous plaît, venez accueillir un applaudir. Vous connaissez Fresh Boy, Fresh Chanel, par exemple.
Et en plus, on l'a connu beaucoup à Rivière-des-Prairies, parce que j'ai vécu aussi toute ma jeunesse. Donc, un artiste en pleine expansion, quoi. C'est ça. Parfait. Yankro, en fait, je l'ai connu, ça fait depuis Fresh to Death, en fait, à l'école secondaire. Sens, c'est Mickey et Astérix. Let's go. Faites du bruit. Faites du bruit.
a pu surmonter tout ça pendant les derniers jours. Et car c'est fait notre site internet, on vous tient au courant, le site internet sort bientôt, soit ce soir à minuit ou ce soir à minuit une. Donc tenez-vous au courant. Je vais vous donner, si vous voulez savoir ce qu'est le site internet, vous pouvez prendre nos cartes d'affaires qui sont dans l'entrée ou voir nos hôtesses. Par la suite, on aimerait. Chers membres de RDC dans le monde, comme on dit toujours, toute bonne chose a une fin. Et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors on va laisser ceux qui ont eu l'inspiration de nous donner un dernier mot. Donc, premièrement, moi je vais dire quelque chose, après lui il va dire quelque chose, on n'a peut-être pas la même vision, on n'a peut-être pas vécu la même expérience ce soir. Donc moi vraiment je suis fière de ce gros spectacle-là qu'on a fait. Ça a été un lancement réussi. Je pense que ça a été une bonne chose. On a bien lancé notre compagnie à la vision qu'on voulait. On a bien passé la mission. On a bien montré aux gens qu'est-ce qu'on voulait faire, éventuellement avec le public. Puis, pour moi, c'est un succès. Dès que pour moi le public a apprécié et que mes artistes ont apprécié, c'est un succès pour moi. Pour moi, un peu la même affaire que je suis heureux de ce qu'on a accompli. Je crois que les personnes ont apprécié le travail qu'on a mis ce soir. Et puis c'est ça, on a fait ce qu'on avait à faire et puis ça a donné ce résultat. J'espère que le monde a apprécié. Exact. Nous leur souhaitons plein succès en 2012. Vous allez visiter leur site, ils vont redonner leur site web qu'ils lancent à partir de minuit. Allez-y. www.flyhighent, donc flyhighent.ca. Donc vous allez voir nos mannequins, vous allez voir nos photoshoots, vous allez voir nos artistes, vous allez tout voir. Vous allez pouvoir aussi même tous les jours suivre qu'est-ce qu'on fait, savoir nos prochains spectacles, savoir nos cours de danse qu'on va offrir ici à Café Le Spot à Boscoville. Toutes les informations, à chaque jour on va mettre des nouvelles informations sur site internet. Donc suivez-nous, vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous pouvez nous suivre partout, sortez, explorez, vous allez voir, on est partout avec vous, et vous devez venir avec nous, c'est bon? Et c'est vraiment ça.